Donc là aujourd'hui on est le 30 avril, on est à Marseille. Il est 9h-10, on est en train de préparer la salle justement pour accueillir les combattants. D'ici 10-15 minutes on va procéder à la pesée. Logiquement cette journée devrait très bien se passer, on attend beaucoup de monde. Plus de monde qu'à l'étape précédente, celle de Nantes qui était le 26 mars. Je pense qu'aujourd'hui on va remplir les grilles de quota de combattants. Normalement ça devrait bien se passer. Je pense pour le VIC que c'est une très très bonne organisation. C'est une des meilleures organisations qui existent parce qu'on a beaucoup de monde qui combat de tout le monde entier. Ces derniers temps, j'ai vu Jeff Monson, beaucoup de Brésiliens, beaucoup des Américains. C'est une des meilleures organisations pour moi. Si je ne combattais pas la semaine prochaine, j'aurais bien aimé combattre ici à VIC parce que pour moi, ça serait un honneur de combattre. Je suis malheureux, on va dire, mais j'espère qu'une prochaine fois, j'aurai cette occasion de combattre dans cet grand, grand événement. Aujourd'hui donc il y a un tournoi de grappling, soumission. Donc je commence à me faire vieux, mais je suis venu quand même me mesurer un peu aux jeunes et voir à quel point j'en suis. Et puis voilà quoi. Et puis c'est toujours avec hâte de combattre et puis de monter sur le tatami. Voilà. Alors je viens de l'équipe Vivacité à Grigny dans la région parisienne. Donc je viens jusqu'à Marseille pour gagner la compète. Si je suis venu jusqu'ici, c'est pas pour rien. C'est parce que depuis un an ou deux, j'ai pas trop réussi en compétition. Je rentre dans des matchs, mais je fais n'importe quoi. Alors que je fais n'importe quoi en combat. Donc là, je suis venu ici pour me prouver que je vais tout arracher et que je compte gagner. Ça va être une bonne compétition, que le meilleur gagne, mais je suis pas venu pour rien. Je suis venu ici, pas pour rien. C'est tout. C'est la guerre. Voilà, c'est la guerre. Ouais, quoi qu'il arrive. Que je gagne ou je perde, mais c'est la guerre. En fonction du nombre de combats. Bah, moi je suis Marty Loïc, je viens de la Scorpion MMA dans le sud-ouest. Et aujourd'hui je viens un peu m'amuser en fait. Je viens faire ce qu'il faut pas que je fasse, je pense. Non, je rigole. Non. En fait je viens tourner un peu sur le terrain des ennemis. Parce que moi je suis un gros boxeur, on me connaît pour ça. Et je viens un peu me tenter un peu dans toute la France. J'ai pas pu faire le VIC Nantes, j'ai pas pu faire le VIC Paris. On va essayer de faire celui-là, parce qu'il y a pas mal d'amis qui sont là. Il y a une bonne ambiance et c'est pour ça qu'on est là quoi. Très bien, donc là il est 12h37, on va commencer les combats. Donc voilà, on a mis à peu près une heure et demie pour pouvoir faire la pesée. On a fait une demi-heure d'explication de règlement. Et donc maintenant on va commencer les hostilités. Le cœur, Charles André. Belle hostie. Vainqueur Anthony. Allez Romain. Ça va, je suis tombé sur un adversaire valeureux qui a commencé il n'y a pas longtemps. Donc il n'a pas mon expérience, c'est sûr. Et puis très gentil et puis je lui souhaite qu'il continue après. Mais là, deuxième match, je me sens bien, il n'y a plus le petit stress qu'on a avant un combat. Là maintenant c'est parti. Là ça y est, je vais m'éclater. Vainqueur, copie.
Bon, enfin, bon, là, j'étais en petit week-end. C'est pas évident, les mecs sont bons aussi dans le secteur. Donc, toujours ça, il faut toujours s'améliorer. Toujours continuer à s'entraîner parce que il y en a qui poussent derrière, toujours ils poussent. Donc, il faut toujours être prêt, quoi, en fait. Merci encore pour le VIC, grosse organisation. On loupe jamais le VIC, quoi. Merci, le VIC. Vainqueur, David. Une erreur sur la fin là, je laissais traîner ma jambe, je vais arriver mais j'ai pas réagi assez vite, donc j'étais bien dans le combat, mais voilà, une erreur et c'est ça le VIC, c'est comme ça que ça se passe. Garde ta stabilité, ah, te fais pas renverser, sur bouge le coude, te fais pas renverser, stabilise, oui oui, allez, ouvre la voix, ouvre la voix, voilà, c'est bien, reviens, prends le temps, prends le temps, tire, oui. Ben là, j'ai gagné mon premier combat en moins de 87 kg sur une jujitsu tamé, mais j'ai oublié de mettre une coquille et je me suis auto-soumis les parties, on va dire. Donc voilà quoi. Mais bien, belle compète, belle organisation, c'est un plaisir de combattre ici. Voilà, passe la garde. Recompose, tranquille. Rentre-le. Top. Ok, Yann. Yann, Julien, t'as tout mieux. Yann, on passe. Allez, poignet, Julien. Yann, prends tout le temps, voilà, prends tout le temps. Ben au début c'était pas évident parce que j'étais pas. Premier combat est toujours difficile. Mais bon, j'ai réussi à reprendre le dessus. Au début j'ai un peu galéré, mais bon, parce qu'il était assez puissant. Après ça s'est plutôt bien passé.
Que vous preniez le temps pour vos athlètes, aucun souci. Que vous le donniez, j'en ai un. Parce que là, vous avez un décalage de 4 secondes. Ça peut faire une amenée au sol. Vous voyez, le tempo, il a été annoncé 4 secondes après. Il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Je le dis pour ceux que vous allez faire à la prochaine, ok? De toute façon, même si vous l'aviez projeté, il y aurait eu 4 secondes. Ouais, d'accord? Donc rassurez-vous comme ceci. Pas de problème. Voilà. Ok, vainqueur Ludovic Parera. Bravo. Se prépare de Bessel Freddy. Vainqueur par soumission, Youssouf. 25 mètres, vous la faites dans l'axe. La force, la technique, enfin, voilà, c'est ce qui m'intéresse dans le grappling, c'est un mélange de tout quoi. Et franchement c'était un très très bon combattant, bien entraîné, bonne condition physique, voilà, merci. Donc, vu que David a fait une projection 2 points, plus un renversement 2 points, et que Charles a pris le dos, et que dans la valorisation des positions, la prise de dos est supérieure et elle vaut 4 points, Charles a gagné. Agradeço a Deus, primeiramente, por essa vitória. E é isso aí, foi uma luta boa, dura, bom competidor. E quero levar a final aí com um amigo aí da academia. E fé em Deus aí, dá tudo certo. Lâche le champ.
Vainqueur, Karim. Je suis tombé sur un mec qui fait de la lutte, j'ai laissé un peu venir et au bon moment j'ai attaqué. Au sol, bon, j'avais des bonnes positions, il était puissant, je le bloquais pour pas qu'il me reprenne dans la garde. Je tentais une Kimura ou... Mais c'est un valeur adversaire et il était dur. Maintenant il reste la finale donc je dirais, moi je vais faire pareil, je vais l'arracher. J'ai battu trois mecs là, ils sont pas mal. Un mec qui était pas mal au début. Le deuxième qui était fort, le troisième très fort. Et là, ouais, finalement on va voir. Vous pouvez les encourager, hein, allez. C'est une demi-finale. Hein. Allez, mets au sol quoi. Ouais, mets-lui au sol. C'est toi qui fais. C'est toi qui fais. T'as plus en bas de sa tête, il bat sa tête, allez, passe ton bras, bat sa tête. Vainqueur, Ali. Combat, m'a amené au sol plusieurs fois, j'arrive au point. À finale, on va essayer de finaliser et de se qualifier pour le VIC final. De faire une amener au sol un ciseau, mais vu qu'on m'a dit que c'est interdit en bas, j'essaie de le faire très haut, mais bon, c'était un peu avorté. Après on a travaillé au sol et je suis passé sur une Kimura très serrée et il a tapé, mais bon, il n'y a personne qui a vu, donc c'est pas de l'esbrouf, hein. j'ai gagné comme ça. Je sais pas qui c'est les deux finalistes, enfin qui vont faire demi-finale, mais bon, déjà je suis qualifié au VIC, donc ça fait plaisir. Puis après le reste c'est que du bonheur, hein. En tout cas, c'est encore dedans, c'est unique, dedans, de chute. Yes, super. Ça cherche l'air là, j'ai décidé. Allez, tranquillement, on prend pas de risque. Super. Je crois qu'en finale je tombe contre un gars de Nice que je connais un petit peu. Je crois que j'avais tourné une fois avec lui, il est pas mal. Le combat là, j'ai essayé de jouer la stratégie, j'ai pas trop pris de risque. J'ai essayé de saisir quelques opportunités, il a malgré tout bien défendu. Voilà, normalement la finale est pour moi. Les gars, pas tes chevilles. Les gars, saute partout la jambe. Oh, excusez-moi.
excusez-moi. Je croyais que vous aviez tapé quand vous avez fait ça. Ah non. Excusez-moi, remettez la main où vous avez mis. Autant pour moi. C'est bon. C'est bon. Reprenez-la. Elle était mise. Maintenant, c'est ma faute. Vous avez tapé. J'ai cru que vous aviez abandonné. Il n'y a pas de souci. Mais elle était placée. À vous de pousser maintenant. Attention. Préparez-vous. Je vous le dis avant. Top, Youssouf. Ouais, super. Génial, Top. Vainqueur Mokhtar. C'était difficile, donc il y avait pas mal de personnes que je connaissais pas du tout du sud, parce que moi je suis de Paris, je suis descendu spécialement pour la compétition. Et c'était rude, mais dans une bonne entente, bonne écoute, tout le monde était bien avec tout le monde. Et là le dernier combat, malheureusement, c'est les aléas des combats quoi. J'étais un peu trop fort, il s'est blessé. J'espère que ça ira bien, mais voilà. Maintenant j'attends Paris pour la finale. Se prépare pour le combat suivant. Antony.
J'ai fait une bonne demi-finale, c'était super intéressant, j'ai perdu 5 à 4. Le gars contre qui j'ai tourné tournait très très bien, c'était très technique et tout ce qui suit, il n'y a pas eu de soucis. Donc je le félicite, j'espère qu'il va gagner la finale. Et puis voilà, sinon dans l'ensemble je trouve qu'il y avait un super bon niveau technique. En tout cas, chez les moins de 80 kg, il y avait un très bon niveau technique. Ben là j'ai fait la troisième place et j'ai mis le pied de cheville en torsion. M'attend le Vic maintenant, troisième place. Ça fait du bien. C'était une revanche en plus. Donc maintenant je me préparais bien avec mon équipe, la GP Sport, avec mon entraîneur Ludovic Parera. Mon autre entraîneur Cédric Ngardiola. Ça va bien se passer. Le prochain maintenant. Voilà, je vous remercie. Je suis président de l'association Vivacité 78. Donc la troisième étape, c'est les sélections Île-de-France sur la ville d'Elancourt. Donc là, pareil, nous attendons du très grand niveau. Il y a à peu près déjà plus de 100 combattants inscrits sur le net, mais nous attendons aussi des inscriptions sur place. Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de combattants qui viennent pour s'inscrire sur place. Nous sommes dans le palais des sports d'Elancourt, comme donc je disais, un grand palais des sports qui peut accueillir plus de 1200 places. Donc là, ça va être aussi le grand événement du Victour. Là. Je suis entraîneur au JBT, Jakouraba Bushido Team à Toulon. Je pense que le niveau ici est quand même assez élevé, mais néanmoins, je pense qu'il sera bien plus élevé sur Paris. Malgré tout, quelques équipes parisiennes sont là pour relever le niveau, et c'est quand même pas mal pour nous tester ou pour les premières compétitions auxquelles on peut participer. Bon, bah, où est-ce qu'on en est sur l'événement là? Donc on vient de finaliser les troisièmes places. Donc toutes les demi-finales ont été faites. Donc là on va procéder à l'étape des finales. Donc la finale des poids lourds, elle a déjà été faite. Malheureusement, ils n'étaient que deux. Donc ça a été une finale directe. Premier combat, c'était une finale. Et on va procéder donc à la finale des moins de 96, moins de 87, moins de 80, moins de 73 et moins de 66. Voilà une des petites médailles à gagner pour l'un des vainqueurs. Une petite boisson d'énergissance à l'effigie de Marseille. Et puis bah, on attend la suite. Je pense qu'on a eu quelques révélations, des bons combattants auxquels on ne s'y attendait pas du tout. Et en tout cas, moi personnellement, j'ai été agréablement surpris. Et j'attends de voir justement la suite avec les finales qui va avoir lieu là tout de suite. Voilà. Vainqueur de la catégorie des moins de 66 kg, Jonathan Speedy. 4 combats, 4 victoires. Je voulais me. Avec une compétition assez éloignée, tout ça, je voulais revenir voir où j'étais, partir tout seul sans l'équipe, partir tout seul. Prendre une chambre d'hôtel tout seul, être tranquille dans ma tête et être concentré en match. Ce que je fais d'habitude je parle avec tout le monde, en compète je parle avec tout le monde, 5 minutes avant le combat je parle avec tout le monde encore, et là je suis resté concentré face à un adversaire. Bon, ça fait pas longtemps, et je sais que ça fait pas longtemps qu'il en fait, mais il est très fort en clé de cheville, parce que j'ai vu des combats de lui avant, il a gagné tout ça en clé de talon, clé de cheville, et je remercie les gens qui... des sparring à l'entraînement avec qui me font tourner, qui sont beaucoup plus forts que moi, qui me font la misère à la salle. Bah aujourd'hui les résultats ils payent. Et je remercie le Seigneur, Dieu surtout, c'est le plus important pour cette victoire qu'il m'a donnée. Allez, vous pouvez les encourager. Pose. Très bien. Allez. T'as vu?
Vainqueur des moins de 73 kg, Baïsoutanov Youssouf. Pénalité, ça fait 2-1, victoire, Ludovic Torreira. Le 4 juin, je vais remonter à Paris pour la finale. J'espère que cette fois, je pourrai prouver un peu plus ce que je sais faire. L'année dernière, j'ai pas trop eu l'occasion, je suis tombé sur Anthony Rode, qui est super fort. Je me suis un peu laissé endormir, changer quelques trucs dans mon style. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai pu le démontrer et je pense que ça va jouer pour moi. Mon adversaire était super fort. Comme j'avais dit tout à l'heure, je le connaissais un petit peu. J'avais un peu rencontré cet été, tout ça. Et je savais qu'il fallait que je sois prudent, etc. Et que j'ai un jeu agressif à la fois. Et ça m'a permis de remporter la victoire comme j'avais prévu, sans prétention. Et voilà. Premier, j'ai géré, j'ai gagné un point. J'ai pas trop cherché, j'ai tenté quelques finalisations, vu que j'étais tranquille, j'ai pas voulu me fatiguer le premier combat. Et le deuxième combat, c'est un adversaire, je savais qu'il faisait du sambo, qui était fort avec les talons. J'ai déjà combattu contre lui il y a longtemps. Et il était bon, je sais qu'il est bon en lutte. Et donc voilà, là, j'ai tenté de suite une attaque en triangle à la volée. Et puis j'ai enchaîné sur une clé de bras. Ça s'est bien passé. Voilà, merci. Ce que j'ai à dire, moi, c'est bon, c'est une affaire qui roule. Hein. Donc chacun savait ce qu'il avait à faire. On ne s'est presque pas parlé. Hein. On connaît le travail. Donc on a affaire à un professionnel, hein, qui a Ilito. Donc moi, voilà, on est content. En fait, chacun savait ce qu'il avait à faire. Donc très bonne.
complicité, donc aucun problème, super belle journée. Bah, les champions tous très forts, la plupart je les connaissais plus ou moins, certains je les connais personnellement comme Ali qui est second. Donc voilà, je pense qu'il y a eu un bon niveau, il manquait un petit peu de monde, j'avais eu plus d'inscrits que ça sur les préinscriptions. Il manquait un petit peu de monde, mais bon niveau, tout s'est bien passé. Prochaine étape le 7 mai à Paris, à Élancourt.